aujourd'hui c'est une petite vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, je vais commencer à faire des tournois de films. Un peu comme à la manière de Sofiane qui a déjà fait tournoi de films d'horreur, tournoi du film préféré des abonnés, tournoi de la série préférée des abonnés, tournoi des jeux vidéo, tournoi des super-héros, tournoi des acteurs préférés, tournoi des actrices préférées. Je vais faire un peu la même chose, sauf que moi je vais me concentrer uniquement sur les films, sur le cinéma. Et vu que pour le moment je n'ai pas énormément d'abonnés pour qu'ils choisissent beaucoup de films, ce que j'ai décidé pour le premier tournoi de la chaîne, c'est moi-même prendre les films les plus importants, faire des équipes complètement aléatoires et vous proposer les matchs de tournoi. Et c'est vous qui allez décider de qui gagnera le tournoi. Et vu qu'on approche à grands pas des fêtes de Noël, j'avais envie de vous proposer un tournoi des films de Noël. Selon vous, quel est le meilleur film à regarder à Noël? Le tournoi se composera de 32 films, 32 films que j'ai choisis, 32 films qui sont les films les plus importants, les plus vus, et c'est vous qui allez décider qui gagnera ou non. Et c'est donc pour ça que je vous invite à aller d'abord sur Instagram, dans mes stories, vous verrez, comme pour Sofiane, les tournois avec un vote pour un film ou un autre. Mais si vous n'avez pas Instagram, bien sûr vous avez YouTube, et donc je vous proposerai donc évidemment de voter dans l'onglet communauté. C'est très simple, vous vous rendez sur ma chaîne YouTube, sur la page d'accueil vous voyez l'onglet il y a accueil, vidéo, playlist, et vous avez aussi l'onglet communauté. Vous cliquez sur cet onglet là et je mets des fois quelques publications assez importantes parfois, et c'est là que vous pourrez aussi voter pour les films du tournoi. Je tiens à ce que vous preniez en compte YouTube, parce que même si très peu de personnes vont sur l'onglet communauté, justement, il y a quelques personnes qui pourront voter. Et s'il y a très peu de votes, les pourcentages risquent d'être vraiment très hauts ou très bas pour un film ou un autre. Donc du coup, ça va être un peu difficile pour Instagram de pouvoir montrer une petite différence. Donc c'est pour ça, je vous invite à aller sur Instagram pour voter, à aller aussi sur l'onglet communauté de la chaîne YouTube pour voter, parce que ça va être important. Et comme ça, je vais voir, enfin, normalement, je vais espérer que ce tournoi se finisse avant Noël pour pouvoir vous sortir la vidéo le 25 décembre. Comme ça, vous aurez jusqu'au 31 ou même pendant tout l'hiver, vous pourrez vous regarder les films, parce que ces films-là, ceux que j'ai choisis, ne sont pas forcément tous sur Noël, mais s'appliquent complètement à l'hiver. Par exemple, je peux déjà vous dire qu'il y aura Shining et La Reine des Neiges. C'est pas forcément des films de Noël, mais c'est des films qui font référence à l'hiver, au froid et donc à Noël. Surtout qu'en ce moment, Doctor Sleep est sorti au cinéma, donc c'est le moment de revoir Shining, quoi. Et puis La Reine des Neiges, bon, vous comprenez pourquoi je le mets dans le tournoi des films pour Noël. Mais sinon, il y a plein d'autres films de Noël, je vais pas tous vous les dire là maintenant tout de suite. Je vous les dévoilerai dans les sondages du tournoi des films. Et bien sûr, j'en ferai une vidéo où là, on saura enfin quel est le meilleur film à regarder pour Noël selon les abonnés. Voilà, c'était juste une petite vidéo informative sur le fait que j'allais commencer ces fameux tournois de films et sur le fait que demain arrivera les premiers sondages. Alors je sais pas vers quelle heure, mais ça arrivera. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ce concept va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager cette vidéo et n'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux. On se retrouve donc demain sur l'onglet communauté ou sur Instagram pour commencer le fameux tournoi des films de Noël. Et sinon, on se retrouve pour une prochaine vidéo, je ne sais pas quand, parce que là, je vais bientôt reprendre les cours pour encore un mois et demi avant Noël. C'était EspritZ, coupé.